comment allez-vous, messieurs dames? En tout cas, j'ai fait mon petit scrim, j'ai fait mon petit sport, j'ai fait ma petite douche, j'ai mangé mon petit poulet, je suis plutôt content, et me voici donc parti pour du full tryhard. Il y a moyen qu'on baise tout le Twitch game si on continue comme hier, parce que le win rate que j'avais sur Velkoz, genre vraiment, c'est assez exceptionnel. Bon. Là, il n'y a aucune raison que ça se passe mal ce soir, à part si j'ai des teams boosted sur boosted, mais en vrai, si tu fais 15 games, tu peux pas avoir genre 13 fois des mauvaises teams. Tu peux mettre 13 cartes, pas 15. Tu peux avoir 7-8 fois des mauvaises teams. Tu peux payer 7 cartes, mais pas 15. Et perdre 7 games, mais t'en perdras pas 8 normalement. Ta, tu peux payer 8 cartes. Bref, on s'en fout. Voilà, mes bras sont trop gros. Je ne peux pas tenir ma souris. Non, ouais, go. On se focus. Soit avec Anivia, le wall, une erreur de positionnement, un move trop agressif. Le wall derrière moi, punition, je la tue pas. Je me fais one shot. Ah, top 1v. Ah non, 2v1. Non, la top, il va se faire full camp, ça va être très dur pour lui. Enfin, pour après, il va être mid top. Hein. Il va évidemment pas rester top tout le temps. Il va faire des ganks mid. Mais il sera pas bot side, quoi. C'est pour ça que Skarner doit en profiter. Et c'est ce qu'il fait. Ah non, par contre, s'il meurt en 3v2, c'est une catastrophe, sincèrement. Il va péter un câble, le Kled. Si Tristana meurt, c'est chiant, ouais. It's over, hein, 2-1. Grave, hein, c'est grave, hein, 2-1, it's over. Hein. Parce qu'après ce que je viens de dire, malheureusement, certes, je lui redonne courage, mais je pourrais si je meurs mid, malheureusement, il va rage quit, en fait. Donc là, j'ai pas le droit de mal jouer. J'ai tué mon Joker, bonne game. Ah, pas flashé, mais c'est egg. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi, bon, ça me fait chier de perdre mon petit pour ça, mais c'est de la pression mid quand même. Hein. Ok, on va push hard et on va back. Annual a une TP ou pas? Non, elle a pas de TP. Ok, je peux le laisser faire leur move bot. Je pense que ça passe. Enfin, ça passe. Ça a plus le chance de réussir que de rater. Nice. Ok, bon, le Kled il a l'air d'avoir un tilt un peu. Mais vous voyez, il fallait absolument lui faire l'assistance respiratoire, mon. Ah mon putain de Kled, parce que là il avait envie de rage quitte la game, hein. Ok, je peux décale. Anivia a flashé, ouais bah oui, j'avais pas de pression, le mec il a pris le camp, par contre on l'a dessus, hein. Anivia elle a pas d'œuf, hein. Oh non. Bon, c'est tout le monde. Ok, continue. On a plein de frères. Et Anivia a flashé, je crois. Anivia flash, ouais, bon Anivia plus d'œuf, plus de flash, on peut la tuer. Ouais, elle est morte là sur ça, elle a fait une erreur. Qu'il laisse le par contre. Je vais la toucher. Nope. Ah non, mais dites pas que ça la touche pas. Ah non, trop chiant. Bon, c'est pas... On va la tuer quand même. Ouais, ça va, c'est bon. Top, il est full tilt. Hein. Top, notre top laner, il va rage kill la game dans pas longtemps. S'ils peuvent la tuer, c'est cool, mais je pense pas qu'il la tue en fait. Tu verras, je pense qu'elle a un V2 actuellement avec l'avance qu'elle a. Eh ouais, mon pote, bien sûr. On le sait. Hein. Voilà, donc ça c'était sûr. Top, notre top laner, il va rage kill la game dans pas longtemps. Il a intérêt à se reco, ce fils de putain. Normalement il se reco. Sauf que je viens de prendre Furious sur ça, donc c'est ultra worse. Si là il revient pas, j'ai vraiment le seum parce que cette game elle est gagnée à 100%. Par contre c'est un kill ça. Ah c'est trop bête. Dommage. Et voilà 4-0 les amis. Hein. Mais sometimes you have to get carried by just playing and not tilting putain. Oh là 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 là, quel fils de pute. Mais c'est incroyable quand même d'être dans cet état juste parce que tu fais camper, mais putain, mais. Parce qu'un il a gang top lane parce que l'autre c'est une putain de pleureuse là. Et si vous saviez pas ce que c'était une pleureuse, et vous pensiez savoir ce que c'était une pleureuse en parlant de moi, êtes vraiment des petits cons. Voilà, donc là le Kled, bon je vais le mute, c'est bon, ça m'a saoulé. Ouais, le problème, j'ai pas d'infos sur Kazix, je peux pas me permettre là. Tout que si je meurs, mon top laner va vraiment tilt en fait. Parce que là, je suis la personne pour laquelle il reste dans la game. Hein. On va back maintenant du coup. I'm back mid, care, top side. Je leur ai dit. C'était sûr et certain qu'ils allaient se prendre un bus. Ok, survive, c'est cool. Je sais pas si c'est grâce à mon ping. Kled qui est TP behind. Ah bah mourir. Oh avec le shit, ok. Oh, nice peut-être. Ok, le Kled là il va être full tilt, j'arrive avec mon ulti. On va pouvoir faire un truc, je pense. J'aimerais bien qu'il force, je monte pas tout de suite. Nice. Ouais, c'est pas très intéressant notre chase, on va rien prendre. Au contraire, faudrait défendre mid. Ouais, donc ça c'était un move de merde, encore une fois agencé par ce gros fils de pute de Kled qui est en train d'absolument se lose la game alors qu'il avait juste à pas tilt. Mais non, il fait des TP de merde, il... Oh là là, c'est pas bien joué ça, go taper la tour.
Taper la tour, putain. Skarner, tu fais quoi? What the fuck? Oh là là, il y aura le bot. Non mais là, c'est trop dur, là. Déjà le reste... En fait, lui, il troll, le reste de ma team est boosted. Ils savent pas où aller sur la map. Ça fout vraiment la merde, en fait. On va les suivre. Ah, la plus chère. Hein. Bon, bah on perd la tour, hein, mais bon. Plus un kill. Je sais pas comment Tristana est morte. PlaySafer. Putain, c'est chiant. Ces games ce soir vont être très dures. Hein. Ça veut dire. Ce soir, tu vas avoir que des games de merde, fils de pute, parce qu'hier, t'as une série de victoires. Il va falloir être très très bon. On n'a pas de vision, on n'a pas d'initiative d'objectif. Allez, le prochain objectif, c'est le Drake, on le ward. Ward. Ils peuvent faire un achat, mais je pense pas. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, ils vont nous engager. Hein. Ah, ça m'étonnerait. Vas-y, je vais pas suivre mon instinct, je vais suivre eux. Ils peuvent pas être sur Nashor, c'est pas possible. Voilà, c'était sûr. Qui m'a ping ce putain de Nashor, bordel de merde? Ça m'a complètement... What the player? Ah, ça me saoule. J'ai mis des bons dégâts. Je suis dégoûté. Hein. J'ai tué une amie, je sais pas comment. Ah, oh, ça me casse les couilles, putain. Je l'ai dit. Et là, on a déjà pris 40 objectifs, donc fallait juste back. Mais la Tristana est autiste. Et là, du coup, j'ai 3000 gold et je vais devoir défendre. Mais là, ça devient lourd un peu. Ah, en vrai, ça devient lourd, non joke. Extrêmement lourd, ça devient. Là j'ai l'impression d'être en silver, en fait. Mais je sais très bien que les diamants 1, diamant 2, ils jouent comme ça. Donc, quand je suis fatigué, c'est comme ça que je joue. Donc, je vais rien dire. Bon, le Cled, il a l'air de jouer quand même. Il fait des bons catchs à l'ult, il y va, il essaye. C'est évident qu'il a envie de gagner, mais il est juste tilté, quoi. Ok, j'ai one shot la Nivia sur le catch. Ah, dommage. Ah, c'est une aberration, ce Nashor. Une aberration dans la préparation. Oui. Ah, là, j'ai mouru. Je voulais pas Nash. Je voulais récupérer la rédemption, mais c'était trop tard. Après, ils se sont commis pour me tuer. Je pense que ça va gagner le fight. On va pouvoir faire Nash sur ça. J'aurais pu Zonia, mais je voulais la rédemption. Je sais pas pourquoi. Anya va être là avec Nami, hein. Ça va être très très dur. Ok, c'est bien, elle a claqué ses sorts dessus. Ils ont le DPS. Elle aura rien. Faut le DPS, Kled, par contre. Ah, Kled, il troll de ouf, parce qu'ils vont pas pouvoir. Ok, nice, putain, c'était très très chaud. Ouais, c'était un move complètement merdique, mais... Ouais, je voulais Zonia, mais je me suis dit, en vrai, peut-être j'ai le temps d'attendre la rédemption et ensuite Zonia. Ça me fait chier, cette erreur. Ça me fait chier parce que je suis à 8-0 si je fais pas cette erreur, en fait. Ah, par contre, il faut juste taper la tour. Juste la tour. Ouais, mais ça, c'est... Mais elle troll trop. Oh là là, ils sont trop nuls. Ah mais là c'est trop tard, go back, allez. Ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Là c'est un autre qui surrenne, c'est l'ADC qui vient de... C'est... Non, c'est le support. Ah, les retards, ça dit, bien sûr qu'elle est retard, ça dit. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais honnêtement pas ce que fait notre... Je ne comprends pas. Je comprends pas ce que fait notre jungle. Nope. Il a essayé de flank. Je prends tous les traps depuis 20 minutes, je suis pas là. C'est de fight. Bon, parfait. Bah, allez, un peu stop, on prend une mid. Ouais, si veut TP, il peut, je m'en bats les couilles. De toute façon, il va se faire one shot s'il prend la tour. N, non, par contre, inhibe. On pourra pas finir. C'est vraiment end quoi. Il a dit end. Nib et back. Back after. Count Nexus. L'écran mage. Il y a un Drake. Mountain. Là j'ai l'esprit aware. Je sais exactement quoi faire. C'est là qu'on se rend compte que dès qu'on commence à jouer un peu en team et qu'on joue intelligemment, c'est tous des singes en fait. Y'a personne qui sait jouer à jeu en fait. Pas une poignée de bons joueurs. Ah, j'ai touché. Hein. J'ai touché. Hein. Ça va être le kill ça. Ah, je me fais cancel. Elle est mortelle. Ah, je voulais le kill derrière. Ah, c'est... Ouais, c'est bien joué en vrai. Ok. Bot as 5, inhibitor, bot, c'est gagné. Ah, la rédemption, ça fait plaisir. Cette fois, je peux la prendre en plus. J'ai mon ulti dans 20 secondes. Elle, va rien faire, on va juste la poke. Ok, back. Mais oui, c'est ça qui est chiant, en fait. C'est que ça n'a aucun intérêt, ce qu'on fait, là. C'est vraiment de la merde, en fait. À tous les coups, on va se faire catch et quelqu'un va mourir. Sauf si je fais un bon ulti, mais...
casse-couille en fait. On a juste à l'étape, on prenait triple inhibe, on avait gagné à 100% genre. Et là, faut, là c'est le risque que je touche mon équerre, que j'esquive Fura, que j'arrive à toucher mon EZ sur elle. C'est ça qui fait qu'on win, mais genre... c'est ultra risqué en fait. Je veux monter, je veux juste monter, j'en ai marre qu'on dise que je pue la merde à ce jeu, j'en ai marre, je veux juste monter. J'ai même plus envie de m'amuser là, j'ai envie de gagner toutes les games. J'en ai marre de faire des fights juste pour amuser la galerie, j'en ai marre de que les gens croient que je suis juste bon mécaniquement, j'en ai marre que je perde des games alors que je sais exactement ce qu'il faut faire pour les wins. J'en ai marre que ça me saoule. Du coup là je veux juste monter, j'en ai rien à foutre du reste. Si s'il n'y a pas un seul fight et que je prends juste toutes les tours et le Nexus et que j'ai gagné à la fin et que je gagne mes 22 LP et que je monte en challenger, ben, je serai content et j'en aurai rien à foutre du reste, c'est tout. Là c'est vraiment une ambiance différente le stream là, je m'en bats les couilles. Je veux juste monter.